Bonjour à tous. Alors, me revoilà. J'ai mis un peu de temps à revenir, une fois de plus. J'ai enfin terminé le mini, donc je vais vous le présenter. Et j'ai reçu une petite commande. Alors, je rigole d'avance, parce que c'est pas... Enfin, c'est petit, mais en quantité, je pense pas que j'aurai assez d'une vie. Je sais pas ce qui m'a pris encore. Bon, bref. En fait, il y en a quelques-unes d'entre vous qui m'ont demandé le lien. Et puis, à force de voir le lien, et puis à force de voir les promos, et puis AliExpress qui n'arrêtait pas de m'envoyer des mails pour me dire « Attention, c'est l'anniversaire de je sais plus quoi, une petite promo, c'est machin, une petite promo. » Alors, du coup, ça m'a énervée. Alors, j'ai dit « Bon, bah, allez, je commande. » Parce que, en fait, bon, je vous montre. Alors, j'ai reçu. Je vais tout sortir. Voilà. J'ai reçu une grosse quantité, oui, une grosse quantité, d'enamel dots mat. Je précise, ils sont mat. Parce que, en fait, ce vendeur sur AliExpress, il n'y en a qu'un seul qui fait ça. Parce que moi, j'ai tout retourné à AliExpress et il n'y en a vraiment qu'un seul qui fait ça. Et c'est pas tout le temps qu'il les met, les mats, en fait. Donc, il les vend à l'unité, en fait. Mais moi, la toute première fois où j'en avais acheté quand même plusieurs, j'avais choisi couleur par couleur et j'en avais acheté pas mal quand même en quantité. Mais bon, c'est vrai que je les passe vite parce que j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup la couleur mate comme ça. Donc, j'en glisse un peu partout. Et donc, le problème, c'est que bah, c'était pas très très cher. La planche, elle revenait à moins d'un euro. Et puis tout d'un coup il n'y en a plus pendant super super longtemps, voire une année. Et puis tout d'un coup il en a remis, mais avec des frais de port, genre c'était 1,14€ la planche et 2€ et des bananes les frais de port. Alors moi, je disais c'est pas cohérent, et plus je mettais de planche, plus les frais de port montaient. Alors je me suis dit bah c'est bizarre, enfin c'était pas logique, ça montait à des prix. Alors, j'ai dit je laisse tomber. Et puis un jour j'ai vu qu'ils vendaient des lots de 10. Donc, bah en fait, c'est simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Ils vendaient une planche. Une planche de chaque couleur. Pour, je ne sais plus moi, 13 ou 14 euros. Alors oui, ça faisait pas très cher. Mais il y avait une nouvelle fois encore des frais de port. Et moi, quand je rajoutais le prix des frais de port, le prix des plaques, ça ne me plaisait pas. Donc, je n'ai pas recommandé. Donc, je me suis débrouillée avec le stock que j'avais. Et puis, je vois que ça descend. Et bah, ça ne me plaît pas que ça descende parce que moi, j'adore ça. Moi, j'en fais une collection. Il y en a, c'est les papiers. Il y en a, c'est je sais pas quoi. Il y en a, c'est les dies, les machins. Alors, même si j'ai beaucoup de dies, beaucoup de papiers, beaucoup de tout ça, moi, je ne suis pas forcément une grande fan de toutes les grandes marques de scrap. Et donc, c'est vrai que je ne suis pas, je suis pas les collections, je ne suis pas tout ça. Je fonctionne au coup de cœur et j'en ai pas forcément souvent des coups de cœur. Mais alors, par contre, les dots, moi, je fais un carnage à moi toute seule. Et donc là, bah, j'ai pris... donc, il y a 5 planches. Il y a 5 planches. 1, 2, 3, 4, 5. 5 planches fois 10 couleurs. On est d'accord, j'ai 50 planches. Voilà, multiplié par le nombre de dots par planche, on s'arrête là, hein, d'accord? C'est de trop. Mais, ben, j'ai bien fait, parce que c'est pas exactement les mêmes couleurs que j'ai acheté les premières fois, en fait. Donc, le noir, bon, ben, attendez, je ressors ma collection. Alors, moi, je les coupe à chaque fois par couleur. Bon, ben, là, le noir reste le noir, hein, donc... Voilà. Après, je me dis, si je me lance, c'est vrai que c'est pas bête d'en avoir plein, parce que si je fais des échanges, bah, je pourrais en mettre en cadeau. Si je fais un calendrier de l'Avent avec quelqu'un, bah, je pourrais en mettre en cadeau. Donc, c'est peut-être pas plus mal. Et il y a des couleurs, c'est pas les mêmes que la dernière fois. Donc, bah, j'ai bien fait, par contre. Celui-là, j'ai vu qu'il s'était sauvé. Je vais le recoller tout de suite. Alors, il y a des couleurs. C'est vrai que je scrappe pas beaucoup de rose. Je scrappe pas beaucoup du violet. C'est vrai que ça va pas me servir à grand-chose.
Mais si je fais un échange avec quelqu'un, j'ai jamais fait d'échange, hein, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour ça peut venir. Si je fais un échange, je peux en mettre dedans. Voilà. Bref, j'essaye de me justifier pour la quantité. Et puis voilà. Et puis après, je me suis dit, oui, en plus, je suis confinée, je peux pas aller chez Action, je peux pas dépenser 40 ou 50 € dans des trucs que je vais pas forcément me servir d'ailleurs de chez Action. Alors pourquoi pas me faire plaisir. Et puis acheter, voilà. Je crois que j'ai payé 42, 43 € les 50 planches. Donc vous faites le calcul, hein, vous redivisez, vous allez vous rendre compte qu'au final, bah ouais. C'est pas si cher que ça. Et puis ça prend pas tant de place que ça. Donc voilà. Voili, voilu. Tac, je range tout. Voilà. Voilà mon stock. Donc là, c'est que des blancs. Là, c'est que des noirs. Là, c'est différents bleus. Là, il y a redu blanc avec d'autres bleus. Là, c'est du rose. Ouais, du rose. Ouais. Là, c'est du jaune et du orange. Alors, c'est pareil. Bah, la dernière fois, je regarde dans mon. La dernière fois, il n'y avait pas. Les oranges mat, il n'y en avait pas. Ça peut être sympa pour Halloween. Moi, je ne fais pas spécialement de création pour Halloween, mais peut-être que cette année, ça va me prendre. Et je me dis que c'est pas mal. Voilà. C'est pareil, ça, c'est un joli violet pour Halloween. Voilà, là il y a différentes teintes de violet. Là il y a un joli gris, un joli jaune, même moutarde on peut dire. Et puis un espèce de taupe. Là il y a différents verts. Voilà. Et là on a encore un autre vert, mais c'est pas encore le même. Celui-là il serait plus vert kaki et celui-là il serait plus vert. Vert clair, vert anis. Et puis, j'aime beaucoup la couleur du milieu. Et puis cette couleur-là est sympa aussi. Voilà. Voilà tout ce que j'ai pris. Donc, si quelqu'un veut le lien, je lui ferai passer. Et puis, voilà. Donc, je vais vous mettre cette vidéo-là en ligne tout de suite. Comme ça, je vais pouvoir vous filmer l'album pour une autre vidéo. Voilà, et ben je vous fais des bisous, puis je vous dis à tout de suite.